toute la création t'adore. Merci pour cette dédicace à Brice particulièrement, avec pour titre Les Océans. Frère Brice, est-ce que tu es prêt à ce que nous allions dans les Saintes Écritures? Oui, Frère Junior, je suis prêt. Très bien. Je veux essayer de guider au maximum. Et je souhaiterais que nous essayons de poser d'abord les bases de ce qui va tourner autour des doctrines aujourd'hui. D'accord? Je veux que toi et moi et les autres qui sont en train de nous écouter maintenant, on met d'abord une base qu'on ne pourra pas bouger. D'abord, cette base-là, c'est que c'est l'écriture qui a les derniers mots, pas nos sensations. Déjà, le simple fait que la révélation venait d'une personne et que ça tente de contredire la parole montre qu'il y a un problème. Tu vois?
Amen. Donc on va lire certains passages de la Sainte Écriture selon que le Saint-Esprit va nous guider maintenant. Mais au préalable, je veux que nous placions les fondations qui vont meubler toutes les doctrines, qui vont nous permettre de construire bien tout ce que nous allons voir concernant chacune des doctrines que nous allons essayer de développer ici, de déployer ici. D'abord, pour la petite histoire, lorsque nous étions à Ziguinchor, je ne sais pas si c'est en 2017 ou 2018, nous avons parlé à Ziguinchor concernant la sainte doctrine, c'est quoi? Je crois que des frères qui sont du Sénégal, et particulièrement le frère Franck, connaît cette doctrine-là. Et je crois que la sœur Grâce vous placera le lien maintenant dans le forum. La sainte doctrine, je crois que c'était le titre de cet enseignement. Tom, tu avais écouté ça, non, quand tu étais dans le bon sens? Oui, j'avais écouté. Non, la sainte doctrine. Quand vous entendez ces choses, voilà pourquoi il faut d'abord savoir, parce qu'on parle de la sainte doctrine, ce n'est pas la sainte doctrine, Il faut au préalable que chacun sache ce que c'est que la sainte doctrine. Et pour cela, je vous invite, après cet enseignement, que chacun essaie d'écouter cet enseignement fait sur Bamba Eba. Je crois que c'était à Ziguinchor, je ne sais plus quelle année. Le titre, c'était « C'est quoi la sainte doctrine ?» Comme ça, chacun va écouter là-bas pour savoir ce qu'est la sainte doctrine. Et à partir de cette base-là, on peut comparer n'importe quoi pour voir si c'est conforme à la sainte doctrine. Parce que lorsqu'on utilise le groupe de mots, ce n'est pas conforme à la sainte doctrine. C'est vague. Alors, il faut d'abord écouter, c'est quoi la sainte doctrine? Et puis, quand on va toucher à la sainte doctrine, les différents aspects, les enseignements qui sont faits dans la sainte doctrine. Comme par exemple dans le livre de... J'espère que je ne vais pas vous dire quelque chose se passe dans ce studio. Mais oui. Que le Seigneur m'aide. Dans le titre chapitre 2, verset 1, il est dit, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Donc, c'est-à-dire que celui qui est enseigné, qui est enseigné dans la Nouvelle Alliance doit s'atteler à dire des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Maintenant, l'apôtre Paul ne peut pas dire à Tite et à Timothée et autres là-bas de ne pas prêcher autre doctrine si ceux-ci ne connaissent pas la doctrine qu'il faut enseigner. Parce que si quelqu'un est enseigné une doctrine qui n'est pas selon la foi, selon la parole, les saintes paroles de notre Seigneur, pour que tu sois à même de le contester, il faut que tu connaisses ce que le Seigneur enseigne et ce qu'il n'enseigne pas. C'est en cela que consiste la connaissance et la fondation de la sainte doctrine. Tous ceux qui enseignent les saintes écritures dans la Nouvelle Alliance doivent connaître la sainte doctrine. Les bases de la sainte doctrine, comme l'apôtre Paul a dit à Timothée là-bas, qu'il faut que les enseignants, il faut que ceux qui dirigent soient bien nourris de paroles afin qu'ils soient à même de rendre confus les contradicteurs. Parce que tu parles de débattre et parler contre quelqu'un par rapport à sa doctrine sans que tu ne saches ce que la Bible elle-même enseigne. Puisque les gens peuvent prendre les notions des saintes écritures qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine et t'enseigner ça, tu crois que c'est le fait que ça utilise les mots de la Bible, c'est conforme à la Bible. Voici par exemple un aspect. D'accord, mon frère? Très bien. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que mettons les bases. Je veux que toi et moi, que tu as la Bible avec toi et tu peux ouvrir rapidement, n'est-ce pas? Oui, j'ai la Bible avec moi. Très bien. Je veux que tu ouvres le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 8 à 12. On lit d'abord. Après, on va passer à d'autres. Merci. Ok. Corinthiens, chapitre 3, versets 8 à 12. Oui. Je lis. Corinthiens 3, verset 8 à 12. C'est ça. Vous voyez que, frère Brice, tu vois que nous n'avons pas travaillé en amont. Il faut que les gens sachent dans le monde entier que toi et moi, on n'en a pas partagé en amont. On n'a pas parlé par rapport à cette doctrine-là. Parce qu'il ne faut pas que les gens écoutent et pas penser que par derrière, on a travaillé. Toi et moi, on a causé pour dire tu vas parler de telle chose. Est-ce que toi et moi, on s'est contacté? Non, nous ne sommes pas contactés. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on est en train de lire là maintenant. Nous sommes en train de découvrir ça en même temps que ceux qui nous écoutent, n'est-ce pas? Amen. Confirme. Donc, nous allons partager ainsi toutes les doctrines. Quand vous allez venir ici, vous allez dire ce qu'on enseigne. Et nous allons voir au travers des saintes écritures pour voir ce que la Bible en dit. D'accord, mon frère? D'accord. Très bien. Allons-y. Donc, je lis 1 Corinthiens 3, verset 8 à 12. Mmh. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Oui. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée,
J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mmh. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Mmh. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Mmh. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, mmh. des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, mmh. car le jour la fera connaître, oui. parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Le verset 11 en particulier Amen. Dit quoi? Le verset 11 dit, car personne ne peut poser un autre fondement. Pourquoi, frère? Que celui qui a été posé par Jésus-Christ. Hein? Tout simplement parce que Jésus a déjà posé un fondement. Est-ce qu'il a dit par Jésus-Christ là-bas, mon frère? Moi, il parle la Bible devant moi. On dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Très bien. Donc, ce qui est écrit dans ma vie. Très bien. Non, justement, c'est ça dont les questions. Parce que tu as dit que par Jésus-Christ, parce que ça m'est étonné encore. Ça m'est étonné. Je vais te donner les versets au fur et à mesure comme ça vient. Je n'ai pas ouvert la Bible dans ce studio et tu vas lire. Donc, lis, quand tu lis, vérifie ce que tu en as lu, d'accord? Donc, d'après ce passage, c'est l'apôtre Paul dit qu'il a posé la fondation comme un sage architecte. Et il rassure qu'il est ouvrier avec Dieu, il est avec les autres dirigeants qui co-ouvriers avec lui étaient dans la même mission. Et par conséquent, l'une des grandes révélations, c'est que dans les co-œuvres, personne ne s'introduisait dans l'autre pour pouvoir se mixer et créer des soucis dans l'autre. Tu vois cela? Et ils travaillaient en unisson de l'esprit, en unité de l'esprit, en harmonie, de façon diversifiée. En harmonie, de façon diversifiée. De telle en sorte que dans les différents contrées, les mêmes choses étaient posées. De telle en sorte que si l'apôtre Paul vient dans une contrée où il n'a pas annoncé l'évangile, quand il y trouve les gens qui ont été enseignés, il n'a pas de difficultés parce que l'Esprit de Dieu qui a utilisé les personnes qui ont posé la fondation là-bas a permis qu'il pose la même chose que l'apôtre Paul poserait. Pas vrai, frère? C'est vrai. Très bien. Mais la dislocation et la dissonance dont nous faisons action aujourd'hui en disant le Saint-Esprit enseigne avec cette personne-ci d'une façon différente de l'autre, le Saint-Esprit peut être différent dans ses manifestations sans se contredire. Maintenant, si ça se contredit et qu'on dit que c'est le Saint-Esprit, c'est là où le problème se pose. C'est là justement là où le problème se pose. Et il va falloir que nous harmonisions nos guitares, nos sons au rythme du Saint-Esprit Amen. Afin que le ciel chante, que nous chantions au rythme du ciel, pour que sa volonté s'établisse sur la terre. D'accord, mon frère? Alors, d'après ce passage-ci, c'est la fondation que nous sommes en train de mettre. Et cette fondation-ci ne concerne pas seulement le cas du travail. C'est valable pour toutes les doctrines que nous allons passer en revue. Et ce n'est pas valable seulement pour le cas de l'enclos de Yves, que Yves s'était construit pour lui-même. C'est pour que désormais que les croyants marchent d'après ces fondations, d'après ces piliers. Donc, d'après le premier pilier, c'est que, un, on ne doit plus bâtir quelque chose. Ça veut dire que quelqu'un ne peut plus et ne doit plus venir avec une révélation qui est contraire à ce que les premiers apôtres ont déposé. D'accord, mon frère? La deuxième chose à comprendre, c'est que, un, ces apôtres-ci, et particulièrement, on va prendre deux qui sont les phares, Pierre et Paul. Nous voyons dans les Saintes Écritures que Pierre a marché avec le Seigneur Jésus. Et au sorti de son ministère terrestre, dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit et enseignez-leur. Il n'a pas dit enseignez-les ce que vous voulez. Il n'a pas dit enseignez-les ce que les pharisiens enseignaient. Il dit enseignez-leur tout ce que, il n'a pas dit certains, il a dit tout ce que j'ai. Et ça, c'est le Seigneur Jésus. Je vous ai prescrit. Par ces paroles instituant et insinuant aux disciples, à enseigner aux apôtres, à enseigner les croyants qui devaient venir dans le corps, la doctrine que lui-même leur a inculquée. Il veut par là dire que c'est au travers de ces choses qu'il va bâtir l'église dont il a parlé dans Matthieu chapitre 16. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Bâtir, ça veut dire édifier. Édifier, construire. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3 que vous avez été édifié. Donc, la même chose dans la continuation du Seigneur Jésus, vous avez été construit sur les... Enfin, on va lire cela dans le livre d'Éphésiens chapitre 2 tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose de vouloir montrer que les apôtres n'ont pas travaillé en marge de ce que le Seigneur a dit. Ils travaillent justement en unisson avec l'Esprit parce que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous pour implémenter l'œuvre du Saint-Esprit, enfin l'œuvre du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le projet de construction.
Jésus était l'architecte constructeur, de l'idée de l'Église. Disons comme ça, pour qu'on voie dans le jargon des constructions, ceux qui font dans la construction, et Frère Prang particulièrement, on conçoit quelque chose dans son esprit. Quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église, il a l'image en lui. J'imagine que ceux qui sont au devant de lui ne comprennent pas ce qu'il en a dit. Alors, en lui, il a l'image, la conception de ce qu'est cet édifice-là, cet édifice spirituel dont tu parles. Mais aux disciples, il les inculque ça par son esprit. Parce qu'il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, il viendra. Quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira des choses, il vous révélera des choses à venir. Il prendra des. Ce qui est en moi, il vous les donnera. Pas vrai, frère? C'est bien vrai. Et donc, ça, c'est pour le cas de l'apôtre Pierre qui a suivi Jésus en suivant ses enseignements de façon distincte. Maintenant, lorsque nous lisons les appels, enfin, l'appel de mon grand frère Paul, dans Actes chapitre 9, dans Actes chapitre 22, puis dans Actes chapitre 26, j'espère que je ne vais pas vraiment venir, je me sens bien dans ce sujet. C'est que si vous sentez que je vais vite, c'est que je sens seulement, je me sens seulement bien. Alors, dans Actes chapitre 9, dans Actes chapitre 22 et dans Actes chapitre 26, que vous pouvez prendre les trois moments où l'apôtre Paul explique son appel, vous voyez très bien que le Seigneur Jésus, dans la venue, dans la vision, a montré des choses à Paul. Et il dit clairement que dans son appel, il se montrera, il y a encore des choses pour lesquelles il se présentera à lui. Nous sommes d'accord là-dessus. Oui. Et par conséquent, nous pouvons voir dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, où l'apôtre Paul dit, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, concernant la Sainte Seine et toutes les autres choses dont il écrivait là-bas, à partir du verset 17, il dit que car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, que dans la nuit où il faut livrer. Nous voyons très bien que dans l'apparition de Jésus dans Actes chapitre 9, il n'a pas parlé de cela là-bas. Il ne s'est pas mentionné là-bas comme ça. Donc, dans le chapitre 9, chapitre 22 et chapitre 26, il n'est nulle part dit, nulle part là-bas, que le Seigneur lui a montré ce qui s'est passé à la Sainte-Seine le jour où il a été tué, ainsi de suite. Mais l'apôtre vient nous dire, j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur, pas dit, je me suis concerté avec les apôtres. Je me suis concerté avec ceux qui étaient avec lui dans la chambre haute. Non. Il dit, il a reçu ça du Seigneur. Il dit, l'évangile que je vous ai enseigné n'est pas d'un homme, car je ne l'ai ni reçu d'un homme, ni de quelque chose que ce soit d'une école théologique, mais c'est par révélation du Seigneur Jésus. Donc, point par point, on peut donc dire, sans risque de se tromper, que les doctrines que l'apôtre Paul a enseignées venaient du Saint-Esprit. Et c'est avec raison, amen, donc, que dans Actes chapitre 20, les versets 27 à 30, il dit clairement aux anciens de l'Église que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Il n'a pas dit tout le conseil de l'église de Jérusalem. Il n'a pas dit tous les conseils de notre réunion des églises, des anciens supérieurs. Il n'a pas dit tout le conseil des membres d'église qui sont regardés comme la colonne. Non, il dit le conseil, tout ce qui est sorti de sa bouche, c'est le conseil du ciel. Il dit, il a transmis le dépôt du ciel, le cœur de Dieu, le projet de Dieu pour l'humanité. Il a déployé et il a dit expressément qu'on ne doit pas ajouter, même pas bouger. Au point où dans Galates chapitre 1, verset 8 à 9, il dit que quand c'est un ange même qui vient encore vous révéler autre chose, autre que ceci, la malédiction est sur lui. Vous voyez là où on s'en trouve, non, frère? Vous voyez là où oui, on s'en trouve? Oui, je vois, je comprends très bien. Très bien. Donc, nous voyons clairement, j'ai pris le premier apôtre pour vous montrer que l'apôtre Pierre enseignait la doctrine qui est de Jésus, parce que Jésus a demandé d'implémenter. Pour montrer l'harmonie de la chose, l'apôtre Paul a enseigné après avoir vu Jésus en esprit. Donc, Jésus n'a pas changé son enseignement même quand il allait dans la gloire. Il a mieux expliqué, le Saint-Esprit vient encore expliquer les paroles de Jésus. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre ce que Jésus avait dit sous forme de code, décoder pour rendre cela suitable pour les gens et bien compréhensible pour les corps afin qu'ils soient édifiés. C'est pour ça que le Saint-Esprit est donné. On se comprend, frère? Amen. Donc, dans Actes chapitre 20, verset 27, il dit, 27 à 30, il dit que je vous ai annoncé, il parle aux anciens là-bas, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Donc, ça veut dire que si ces anciens doivent diriger, ils connaissent les enseignements de Paul. C'est donc avec évidence qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, il dit, pour cela, j'envoie Timothée, qui est mon enfant bien-aimé, qui connaît mes résolutions. Il sait combien j'enseigne dans toutes les églises. Donc, Timothée était accoutumé à lui, il connaissait ses enseignements. Dans les Épîtres, il écrivait, c'est eux qui partaient distribuer. Il dit, prêche la parole. Tu connais de qui tu as reçu, tu connais mes résolutions, tu connais tout cela, tu connais ce que j'enseigne. Timothée ne pouvait pas aller en prêcher, aller enseigner quelque chose d'autre qui n'est pas de Paul. Tu comprends ça, frère? Alors, l'implémentation de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ ne souffre d'aucune contestation au travers des apôtres. Ça, c'est la première chose. Deuxième aspect, c'est que les doctrines du Seigneur Jésus sont définitivement établies dans les Saintes Écritures. Il n'y a plus autre doctrine à apporter. Jamais. Parce que c'est définitif. La seule chose à faire, c'est la construction.
La fenêtre pourra venir plus tard, mais c'est sur la maison. La toiture pourra venir plus tard, mais c'est sur la maison. L'électricité qu'on va mettre, le courant qu'on va mettre dans le mur, c'est sur la maison. On ne peut plus mettre une autre fondation. Vous comprenez cela, non? Donc, toute doctrine qui vient maintenant pour embellir, c'est quelque chose qu'on prend dans les Saintes Écritures pour éclairer davantage, pour que les gens comprennent ce qui était mis initialement. Aucune autre doctrine ne doit plus être enseignée. Ne doit plus, pas que ne peut plus. On va enseigner encore les doctrines. Mais les doctrines de Christ dans les Saintes Écritures sont définitives, totales et juste suffisantes pour rendre les gens parfaits pour Christ, pour l'enlèvement. Amen. Totalement, totalement. C'est bien compris, frère? Éphésiens chapitre, Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Allons-y. Donc, tout ce que je suis en train de dire là, tout ce que je suis en train de dire, c'est pour mettre le garde-fou déjà, pour que toutes les doctrines que nous allons essayer d'expliquer, venant de chez vous, ça doit respecter ces normes-ci. On va traverser cela avant en ayant cette pensée qu'aucune chose ne peut être étrangère de ces écritures, on accepte que venant de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui nous a garanti cela. Un, qu'il a reçu du Seigneur Jésus ce qu'il a enseigné. Deux, que c'est définitivement le conseil de Dieu. En lisant Éphésiens, il dit que quand vous allez lire cela, vous allez comprendre les profondeurs que j'ai du mystère de Dieu qui n'a pas été révélé aux gens dans le siècle présent, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes qu'il a choisis. Donc c'est clair qu'ils avaient la pensée de Dieu pour cette époque-ci. Ça c'est un. De deux, ça veut dire concrètement que toute personne qui viendra avec notre doctrine, quand bien même cette personne sera même sortie du ciel, ouvrir le ciel comme ça, tu vois comment les anges sont allés marcher dans le ciel. Après, ils referment le ciel. Si c'est contre aux Saintes Écritures, vous mettez ça de côté. Vous n'aurez pas tort devant le Seigneur. Quand vous serez même devant le Seigneur, vous serez bien, même si vous jugez, pourquoi tu n'as pas refusé sa révélation? Tu lui dis, Seigneur, comme j'avais peur d'aller au-delà de ton écriture, tu as dit par la bouche de Paul, l'apôtre. N'accusez pas Paul. Vous dites, tu as dit par la bouche de Paul, l'apôtre, qui est l'apôtre de fondation de l'église. Tu as dit que je fais attention à tous les esprits qui vont venir enseigner quelque chose qui est contraire. Or, ce que j'étais en train de voir, c'était contre les Saintes Écritures. C'est pour ça que je n'ai pas cru. Vous aurez la palme d'or avec quatre étoiles comme le commissaire de police suivant les Saintes Écritures. D'accord, mon frère? Très bien. Allons-y. Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22. Éphésiens 2, verset 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Oui. Tu as suivi ça, hein? Donc, il est dit... Oui, frère Julien. Première chose, verset 20, il dit quoi? Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Explique ça, explique ça. Jésus-Christ. Lorsqu'on dit « Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire », on veut par là dire que ce qui a été donné comme enseignement est venu de Jésus-Christ lui-même, est venu du Saint-Esprit. On va aller doucement parce qu'il faut qu'on sache. Première question, à qui? Qui parle? Deuxième question, il parle à qui? Troisième question, il parle de quoi et comment il parle cette chose-là? Qui parle ici dans ce verset 20 du chapitre 2? Paul parle aux Éphésiens. Très bien. Donc, moi, si c'est moi, il dirait que le Saint-Esprit parle aux Éphésiens pour que ça règle le problème. Parce que, initialement, nous avons vu qu'il a dit que l'évangile qu'il a prêché n'est pas de lui. Il n'a pas reçu d'un homme, n'est-ce pas, frère? Amen. Très bien. Cela, quand on viendra voir le Père spirituel, là, on reviendra sur cet aspect-ci. Donc, il dit, donc, c'est le Saint-Esprit qui s'adresse. Maintenant, il s'adresse à qui? Parce qu'il y a un vous là-bas. Pas vrai? C'est vrai. Et vous aussi est pour qui? Est mis pour qui? Vous aussi, c'est mis pour les saints. Très bien, pour les saints, j'aime ça. Pour les saints. Waouh, magnifique. Tu bois quoi, mon frère Brice? J'aime ça. Pour les saints, j'aime ça. Pour les saints. Il dit, ça veut dire que garde bien l'esprit. Il dit qui parle? Nous avons convenu sur le Saint-Esprit. Il parle à qui? Parce qu'on va reconstruire la phrase. Avec toutes ces définitions que nous avons eues, le Saint-Esprit s'adresse aux saints, disant que ces saints-ci sont construits. Parce que édifier, ça veut dire quoi? Édifier, ça veut dire bâtir, construire. Bah, très bien. Tu viens de dire. Très bien, c'est ce que nous venons de dire, c'est ce que ça veut dire. Et donc, il dit construire où? Sur quel sol? Sur
sur le fondement des apôtres. Très bien, et des prophètes. Alors, maintenant, on va dire, donc, on peut dire de ces versets, c'est que le Saint-Esprit s'adressant aux saints disent que là où ils ont leur base, c'est ce que les apôtres ont enseigné concernant Jésus. Pas vrai? Parce que ça veut dire. C'est bien vrai. Très bien. Ça veut dire que, parce qu'on parle, si on parle d'un édifice, on parle de fondation, on parle de ce qui va solidifier l'immeuble, la maison, que les saints sont solidifiés par ce qui concerne et ce qui a été fait par les apôtres. Pas vrai? C'est vrai, frère Junior. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas consistant avec ce que les apôtres ont enseigné doit être rejeté. Ce n'est pas quelque chose du bâtiment. On est d'accord? Nous sommes d'accord, frère Junior. Prenons le, dans l'ancien alliance, allons dans Proverbe chapitre 30, versets 5 à 6. Lisons ce que ça dit. Proverbe. Proverbe chapitre 30, versets 1 à 6. Proverbe 30, versets 1 à 6. Non, versets 5 et 6. Parole, versets 5 et 6. Proverbe 30, versets 5 et 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Oui. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Oui. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Très bien. Ça veut dire quoi concrètement? Explique à ceux qui t'écoutent maintenant le danger à ce que quelqu'un puisse ajouter à la parole de Dieu. Comment Dieu va le taxer? Si nous ajoutons des choses nouvelles à la parole de Dieu, Dieu va le traiter de menteur. Parce que Dieu tient à ce que nous respectons fidèlement ses paroles. Donc, c'est la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés. Très bien. Allons-y. On continue. C'est bien saisi, non? Arrêtez-toi, le conducteur, Brice. Voici, en fait, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est ce que vous devez faire comme fondation. Et toute personne qui va enseigner ce que Dieu a enseigné dans les Saintes Écritures, avant d'enseigner ceci, doit d'abord vérifier, un, s'il est appelé à cette tâche. Deux, après être appelé à cette tâche, tu dois vérifier d'abord que toi-même tu sois conforme aux Saintes Écritures et que c'est le moment que tu enseignes telle ou telle chose. Parce que la nourriture est donnée au temps convenable. Tu ne peux pas prendre le petit déjeuner pour donner ça dans la nuit. On est d'accord, non? Nous sommes d'accord, frère Junior. Très bien. Avançons. Nous sommes dans quel livre là? Nous sommes dans quel livre là? Nous sommes dans Proverbe. Très bien. Restons-y. Alors, va au chapitre 22, le verset 28. C'est magnifique ce que le Seigneur fait. Proverbe chapitre 22, verset 28. Proverbe 22 au verset 28. Oui. Proverbe 22 au verset 28. Oui. Je suis. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Tu as entendu? Dis ça aux gens, dis ça à tous les prédicateurs, à tous les anciens, à tous les dirigeants, y compris toi. Commence à dire ça à toi-même. Dis, Brice, tu passes à toi, mais d'abord. Brice, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Tes pères, ici, dans ce cas, ils représentent qui? Les pères représentent les apôtres. Très bien. Donc, dis ça maintenant avec le mot apôtre. Dis, Brice, ne déplace pas. Allons-y. Brice, ne déplace pas la borne ancienne que les apôtres ont posée. Tu vois très bien que c'est amusant, n'est-ce pas, frère? C'est amusant. Dis ça maintenant à tous tes frères qui t'écoutent, tous les soeurs, tous les dirigeants, tous les croyants dans le monde entier. Dis-le cela. Mes frères et soeurs, si vous m'écoutez, nous sommes au Proverbe 22, verset 28. Oui. Il est dit, ne déplace pas la borne ancienne que les apôtres ont posée. C'est ça, non? Donc, nous ne devons pas déplacer ce qui nous a été donné comme enseignement avec les nouvelles révélations. C'est bien compris? C'est saisi. Très bien. Alors, nous allons voir pourquoi. En fin de compte, c'est parce qu'en fin de compte, Dieu a mis la lumière sur chaque verset dans les Saintes Écritures au point où c'est fait pour éclairer. Psaume chapitre, comme tu es dans le livre des Proverbes, ouvre le psaume chapitre 119. Je crois que c'est là, psaume 119. Psaume 119. Psaume 119. Oui. Tu vas lire dans ce psaume 119 deux versets. D'abord le verset 105. Quel verset?
le verset 105, puis le verset 130, je crois que c'est par là. Psaume 119, verset 105. 105, puis le verset 130. Ta parole, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Très bien. Donc tu vois, c'est pour cela qu'on ne doit rien ajouter, parce qu'en fin de compte, sa parole a été déjà donnée comme une lampe et une lumière. Si c'est donné comme une lampe et une lumière, vous ajoutez quelque chose. Souvenez-vous, quand vous avez une torche, vous êtes en train de marcher. La torche, quand ça projette la lumière pour éclairer les ténèbres, toute chose qui vient être mise sur la glace de la, devant la torche, devant la lumière, sera un obstacle, une ombre pour empêcher davantage la clarté. Ainsi, tout ce qu'on vient ajouter à la parole du Seigneur, alors que le Seigneur a déjà éclairé par sa parole, est une obscurité qu'on veut faire. On veut rendre sa parole obscure. D'accord, mon frère? Amen. C'est pour cela que s'il y a besoin de révélation, c'est sa parole qui doit révéler. La révélation sera conforme à sa parole. Lisons dans le verset 130 pour voir cela. Verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Tu as vu ça? Amen. C'est pour cela que dans ce même livre, les psaumes. Oui, tu vois, dis ça aux gens, dis ça à tous ceux qui sont en train de t'écouter. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Explique ça aux gens en conduite, parce que tu étais chargé d'expliquer ce qui était faux aux gens. Explique aux gens maintenant ce qui est vrai, explique-leur ce que tu as compris. Lorsqu'on dit la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple, c'est parce que la révélation de la parole vient éclairer le cœur du pécheur. Donc, en ajoutant d'autres révélations, ça ne produit pas le même résultat. Dis ça autrement. Donc, ça ne peut pas amener les gens à atteindre la sanctification. Ça ne peut pas amener, en fait, l'amour de Christ. Ça, c'est ce que je comprends au travers de ce passage. Dis ça encore autrement. Bon, autrement, comment est-ce qu'on peut encore le dire? La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Ça veut dire que... Ça veut dire que Dieu va toujours. Ça veut dire que si la parole n'est pas comprise, c'est ça que Dieu viendra expliquer pour que ça puisse te donner l'intelligence. C'est simple, toi, non? Ça veut dire que, par exemple, tu lis la Bible, tu ne comprends pas quelque part. À un moment donné, Dieu ouvre ton intelligence. Comme par exemple dans le livre de Luc, chapitre 24, la Bible déclare que quand Jésus s'est révélé à ses disciples qui étaient à Emmaüs, il leur expliquait quand il parlait, on dit qu'il ouvrit leurs intelligences, pas pour qu'ils aient une nouvelle révélation. Non. Ils ouvrirent leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Parce que les Écritures sont là établies. Ça veut dire quoi? Il était prévu dans les Écritures que le Christ devait venir, souffrir, mourir, ressusciter le troisième jour et être annoncé aux nations en commençant par Jérusalem. Mais il lisait les Écritures, il ne comprenait pas cela. La puissance du Saint-Esprit vient illuminer notre intelligence pour qu'en lisant, on comprenne le langage de Dieu et on comprenne ce que Dieu en a dit, déjà écrit, déjà fondamentalement écrit et établi. D'accord? C'est pour cela que dans le verset 89 de ce même. D'accord. Tu es dans quel livre là? Psaume 119, n'est-ce pas? Psaume 119. Oui, oui, lis-nous le verset 89, tu vas voir. Ah, lis-nous le verset 89. C'est ta parole est merveilleuse, Père. Merci pour ces soirées. Ouais. Verset 89. Oui. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Voilà. Donc, tu as suivi ça? Donc, sa parole subsiste dans les cieux. Et c'est cette parole-là qu'il envoie au Fils de l'homme. C'est cette parole qui est insoufflée. Comme 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 dit. Tu vois cela? On dit, je veux qu'on se comprenne bien. Cette parole subsiste dans les cieux. C'est-à-dire que c'est établi. C'est là. Pour la gouverne de ceux qui m'écoutent, j'ai été visiter le lieu où l'authenticité, la représentation de ces choses se trouve dans les cieux. Où l'écriture authentique qu'on a donnée, dont le Seigneur a photocopié pour envoyer sur la terre, se trouve dans les cieux. Il y a un gardien qui garde cela. J'ai causé avec lui. Et donc, ce qui est enseigné vous là-bas... Tu avais suivi cette révélation. Tu avais suivi ça et puis vous enseignez autre chose comment, mon frère? Non, j'avais suivi ça quand je faisais les deux ministères. J'avais suivi ça à l'époque. Oui, et qu'est-ce que tu en as pensé?
Ah, il seulement dit que le frère Junior a un niveau très élevé. Oui, mais tu as là-bas, le frère, il va dire que j'étais plus bas maintenant. C'est que le frère Yves a déplacé, parce que vraiment ce que tu viens de m'enseigner, si je remercie Dieu, parce que normalement la révélation vient éclairer ce qui est déjà écrit. Mm-hmm. Or, le frère Yves a apporté un éclairage sur les choses qui ne sont pas dans la Bible. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas prendre une lampe dont les piles sont mortes pour éclairer dans les ténèbres. Justement, il a apporté des éclairages sur des choses qu'on ne trouve même pas dans la Bible. Mmh. C'est ça, en fait. Donc, c'est ça qui a fait que nous sommes égarés, parce qu'on ne se retrouvait plus. Très bien. Donc, la révélation doit être conforme aux Saintes Écritures, n'est-ce pas? Et ici, dans ce verset 89 de Psaume 119, il est dit que cette parole-là subsiste dans les cieux. C'est cette parole subsistant dans les cieux que Dieu communique sur la terre dans les cœurs de ses serviteurs pour prêcher. Et donc, il a communiqué au cœur des apôtres pour dire ça sur la terre. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. On s'avance doucement, doucement, à la fin de la borne, des principes que nous n'allons pas déplacer, qui vont nous permettre de marcher dans la navigation de restauration. 2 Timothée, chapitre 3, chapitre le verset 16. Qu'est-ce que ça dit? 3, verset 16. Mm-hmm. 907. Mm-hmm. Que le Seigneur te bénisse. Comment tu te sens là, toi qui es en train de lire et qui en entendre cette voix te parler maintenant? Comment toi tu te sens? Tu te sens bien et tu as mis la sueur comme moi, n'est-ce pas? Oui, je suis heureux d'écouter toutes ces choses qui nous ramènent à la parole de Dieu. Pendant que tu écris, moi, je note ce que tu dis. Bon, c'est vrai que tu parles assez rapidement, mais je note ce que tu dis. Bon, je crois que le frère Brice a me reproché que je bavarde vite. Il a profité de l'occasion pour me dire, le dire. Je prends note, je prends acte. Non, c'est de ton plein droit. Ok, je vais baisser. C'est parce que quand ça me prend, quand cette couverture est sur moi, ça va dans tous les sens. C'est comme si je ne parle pas, je vais exposer à l'intérieur. Ça, tu t'as vu une mamie de sauce qu'on a préparée, on a fermé la mamie, ça bouge le couvercle là, non? Tu te souviens? Pour ceux qui préparent le spaghetti, oui, quand tu boules le spaghetti, tu vois comment ça fait souvent dans la mamie, ça fait en moi. Mais le Seigneur va m'aider. Je vais aller doucement. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, qu'est-ce que ça dit? 2 Timothée chapitre 3, au verset 16. Mm-hmm. Toute écriture est inspirée de Dieu, mm-hmm. et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Très bien. Une fois de plus, ces passages nous donnent des dire certaines choses doucement. Parce que chaque fois qu'on récite les Écritures, on ne veut pas s'attarder pour bien saisir. Et nous allons y attarder. Je vais te poser des questions encore maintenant. Tu es prêt? Je suis frère Junior. Dans ce livre, dans 2 Timothée 3, il dit que toute Écriture, il a dit quelle partie de l'Écriture? Toute écriture. Très bien. Maintenant. Tout ce qui est écrit. Voilà. La Bible, c'est une compobiblia en grec. C'est la composition des livres. D'accord? Des livres que Dieu a donné. Comme en lisant le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11 ou chapitre 12, pour certaines parties, que cette écriture-là, ces différentes sentences sont les choses données par un seul maître et que clouées ensemble, ça forme un tout. D'accord? Un peu comme la pièce de puzzle. Il y avait un certain petit truc qu'on vend. Je ne sais pas si les gens connaissent là. Où on dessine les animaux, soit les arbres, soit les fleurs. Et on bouscule un peu cela comme les pièces de puzzle. Il faut monter, glisser avec le doigt jusqu'à ce qu'on reconstitue la figure totale. Donc le Seigneur a parsemé les choses comme ça dans presque 144 auteurs. Enfin, 1400 ans, il a donné ça à plusieurs personnes là-bas à prêcher. Et Amen. Toutes ces choses mises ensemble dans la compréhension Amen. De son esprit, comprend effectivement que c'est un chef-d'œuvre, que Dieu a un projet, il a de nous amener quelque part. Pied. Alors, ici, nous, on dit ici, toute écriture est inspirée. Je voudrais bien que tu entoures le mot inspiré dans les Saintes Écritures, dans ta parole, dans ta Bible. Tu as entouré? Oui, inspiré de Dieu. Normalement, je vais expliquer quelque chose. Normalement, le mot inspiré en français est mal positionné. Pour ceux qui font, nous avons tous fréquenté et nous avons le cadre des, prenons les deux matières, mathématiques ou bien philosophie ou bien français.
Lorsqu'on dit, par exemple, de faire le portrait de quelque chose, bien raconter un événement qui s'est passé, qui s'est déroulé, tu t'assois, ou bien un sujet de... Prenons un sujet de philosophie. On dit, par exemple, que je crois donc je pense, ou bien je pense donc je suis. Que pensez-vous de cette chose-ci? On vous donne 4 heures. C'est à toi de développer. Tu vois, vous voyez que dégager la problématique est haute là-bas. Vous devez rester calme. Les idées vont te venir. Le professeur dit que quand ça vient, note d'abord sur le brouillon. Note, après, tu vas organiser tes idées. On appelle ça l'inspiration. Ça veut dire que quoi? À cet instant, si tu t'alimentes... Oh mon Dieu, je pouvais encore sortir là maintenant pour aller quelque part. Quand tu te places dans une atmosphère où, à l'école où tu en es de composer une épreuve, tu es alerté sur le plan spirituel par les démons qui contrôlent les écoles, pour qu'ils te donnent les idées concernant l'école qu'on t'a appris, pour que tu composes. Il y a les démons échoués, les démons premiers. Alors, lorsque tu te places dans le conditionnement des réceptions et des réceptacles de ces inspirations, tu commences à écrire comme exactement Socrate et Platon étaient inspirés par les démons pour donner des oracles de cette divinité. Alors, les oracles de cette divinité, cette divinité ont des démons explicatifs qui expliquent ces oracles-là. Exactement comme le Seigneur donne sa parole et que nous sommes là pour expliquer sur la terre. Ce qu'il s'en est dit, c'est que quand tu te concentres devant ton épreuve pendant 4 heures pour écrire, ce que tu fais, quand tu en es d'écrire ta plume, tu vois, tu es en train d'écrire ta plume, même sans la bouche ouverte, une voix est en train de parler, la voix de ton esprit écrit. Comprends-tu, mon frère? Oui. On dit donc que tu as reçu l'inspiration. Ici, dans les Saintes Écritures, c'est le même mot. Ce n'est pas comme ça. Normalement, c'est expirer. Tu as vu? Expirer de Dieu. Le mot grec, parce qu'on dit des dieux. Ça procède de Dieu. Ça procède de l'intérieur de Dieu. On dit, toute écriture est théonosis. Théonosis, théo, Dieu. Gnosis, expirer. Donc, quand tu respires, par exemple, toi, en tant qu'être humain, vous, en tant qu'être humain, quand vous m'écoutez, vous inspirez. Vous inspirez en aspirant l'air à l'intérieur de vos poumons. Quand vous faites cela pour que l'air soit dans le sens contraire, on parle que vous expirez. Donc, ça veut dire que la parole, c'est ce qu'on a déjà dit dans ce 2 Timothée 3,16, ça veut dire que la parole, l'écriture, c'est quelque chose qui était à l'intérieur de Dieu, dont Dieu l'a propulsé à l'intérieur pour nous corriger, pour donner ses... Oh mon Dieu. Tu as bien suivi, mon cher frère? J'ai suivi. Donc, toute écriture est expirée. C'est expirée plutôt, pas inspirée. On se comprend? Nous nous comprenons. Très bien. Donc, l'écriture sort de l'intérieur de Dieu et propulsée dans nos pensées, propulsée dans nos cœurs. Pour un. Donc, quand cette parole est sortie de Dieu, quand ça procède de Dieu, ça vient pour un but. Si nous prenons en parallèle de ce passage, c'est pour ceux qui sont venus m'écouter, notez dans votre livre à côté de, merci Saint-Esprit. Vous voyez, je parle, le Saint-Esprit dit que c'est exactement ce que j'ai dit dans Ésaïe chapitre 5. Ouf. Ah, merci. Qui ne peut pas te célébrer? Qui ne doit pas te célébrer? Dans cet Ésaïe, allons-y là-bas. Ah, je me sens bien. Je vous dis, je me sens bien. Ah, Ésaïe chapitre 55. Mais c'est terrible. Ésaïe 55. Oui. Tu y es? Ouf. Ésaïe 55. Un instant. Ouf. Mais je me sens très bien. Ésaïe 55. Jésus. Très bien. Lis le verset. Lis à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. C'est le verset 11 qui nous dit ce que le Saint-Esprit nous a envoyé ici pour cela. Lis le verset 6. On lit doucement. Mais au verset 11, on va commenter. Allons-y. Ésaïe 55, verset 6 à 11. Très bien, c'est ça. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées.
comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Très bien. Maintenant, lis encore le verset 11. Amen. Lis encore le verset 11 doucement maintenant. Allons-y. Je vais te dire stop à un moment donné. Ainsi en est-il de ma parole qui sort stop. De ma bouche. Stop. De ma parole qui sort de ma bouche. Donc, vous voyez ça? Donc la parole procède de lui. La parole procède de lui. Ça sort. C'est ce qu'il est en train de dire dans ce 2 Timothée. Ça, quand il parle de la personne qui explique que c'est ce qu'il dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 55. Donc la parole sort. Et le Seigneur nous dit ici clairement que la pluie qui tombe sur la terre est un symbole de sa parole, de la volonté du ciel sur la terre. Quand la parole, quand le ciel, la pluie tombe depuis le haut, c'est le symbole de la parole qui est sortie de la bouche de Dieu pour descendre sur la terre. Et quand ça descend, la parole qui sort porte le but, les pensées de Dieu, les commandements et l'objectif. Et ça ne s'évapore pas de la terre, remontant en lui par les actions de grâce sans avoir accompli. C'est pourquoi c'est sorti. C'est merveilleux ce que le Seigneur fait. À toi soit la gloire. À toi Amen. Soit la magnificence à jamais. Tu vois cela? Donc, le point ici, c'est que dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, la parole n'est pas inspirée, c'est expirée. Ça sort, ça procède de Dieu pour aller faire quelque chose. Et c'est dans ces 2 Timothée, donc là, il dit que quand ça sort de cette façon-ci de Dieu, c'est utile. Donc, l'homme doit utiliser un peu comme la pluie sort. Quand la pluie peut tomber quelque part, les gens peuvent irriguer de cette pluie pour amener dans le champ, pour maintenant orienter cela dans le champ, recevoir de l'eau dans leur canot, dans leurs différentes contenances, pour pouvoir alimenter les champs pour là où il y a la sécheresse. Il y a des gens sur la terre qui prient seulement qu'il pleuve de l'eau de la pluie pour arroser leurs champs. Parce que sans cela, les cultures vont mourir. Les bêtes deviennent chétives, il n'y a pas d'aliment nulle part. La pluie même, c'est le symbole même de la vie, de la volonté de Dieu, parce que quand ça tombe, il y a de la bonté. Quand ça va plus, c'est quand Dieu, quand la pluie vient, ça détruit les endroits, c'est quand Dieu vient pour juger les gens. Vous voyez, tout ça, c'est le symbole du Seigneur. Alors, il dit ici, quand cette parole est extériorisée de son cœur, de sa volonté, ça vient, c'est utile. Les paroles utiles, voilà le but d'homme maintenant. Et puis, on commence à voir les différents les différents buts de l'expiration, de l'expression, de l'extériorisation de la parole qui procède de Dieu. La parole qui procède, qui sort Amen. De lui, qui explique théonos. Amen. Qui sort, qui procède de lui pour descendre sur la terre, pour éclairer l'homme qui est dans la féconder. Oui, pour aller féconder le cœur humain. Faire germer la semence qui est plantée dans un cœur desséché de cœur de l'homme pour que l'homme se réveille et pousse vers la lumière, vers le soleil levant. Amen. Tu entends ça? Amen. Et donc, il est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Et c'est dans cette phase que nous trouvons maintenant. Pour corriger. Ça suppose que pour qu'il y ait une correction sur quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, nous allons dans ce que le Seigneur a fait procéder de lui. Nous prêchons ce que Dieu a dit pour corriger. Pour corriger. C'est ça dont il est question. Pour corriger. Amen. Pour instruire dans la justice. Donc vous voyez très bien que c'est la parole, c'est de la parole de Dieu que procède la justice dont il doit donner à l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait tout pour se justifier. Vous voyez cela? Afin que l'homme de Dieu. L'homme qui vient de Dieu soit accompli. C'est-à-dire qu'il atteigne la perfection dans la compréhension de la parole de Dieu. Pour maintenant, il peut maintenant faire vivre les gens dans la justice. Et propre à toute bonne œuvre, dit le Seigneur. Il me semble bien. Il me semble bien, je vous le dis. Avec ça, il peut prêcher 2 jours maintenant. Il me semble bien. Gloire à Dieu. Il me semble bien. Gloire à Dieu. Je me sens vraiment bien. Oh. Merci Père. Père, merci à toi. Merci, car depuis les cieux, tu as envoyé ton ange dans ce studio assis en face de nous pour veiller à ce que tout ce qui sera dit ici sera conforme à ce que tu as dit depuis les cieux. Merci pour ton ange qui se tient dans notre présence maintenant. Merci, Père de gloire, pour ces ailes qui se déploient maintenant. Parce que tu envoies ton esprit nettoyer des choses qui n'étaient pas dites conformément à ta parole dans tes enfants. Merci, Père de gloire, pour ta volonté qui s'accomplit ce soir. Merci Père de gloire pour ta gloire. Merci pour ton huile que tu fais descendre sur le cœur de tes enfants
pour restaurer, Père de gloire, les chemins qui étaient tortueux, pour amonceler au Père de gloire les eaux qui étaient divulguées, qui n'étaient pas conformes à ta volonté. Père, merci, Père de gloire, pour les montagnes rocailleuses qui étaient construites sur les cœurs et qui empêchaient les obstacles pour monter vers toi. Merci, Père de gloire, pour cet ange qui est descendu. Merci, Père de gloire. Merci, Père.